Si vous cherchez un Airbnb vraiment super, regardez ceux que les voyageurs ont déjà trouvé super. C'était génial. On a adoré. Incroyable. Découvrez Coup de cœur voyageurs, les Airbnb préférés des voyageurs. Salut les mains. Salut les mains. Oui, aujourd'hui la mairie, demain le tribunal. À voix de la loi. Salut les mains. Oui, aujourd'hui la mairie, demain le parquet. Shake.
Le thème de Marie, c'est avec moi, je suis prête. Hein? Donc, elle se marie avec Thierry. Je l'ai en camion, bois de Boulogne. Je te pose une question. Est-ce que tu as déjà appris que j'ai fait le camion un jour? Demande aux stars qui font les camions. Est-ce que tu as déjà appris? Et même si je n'ai pas même fait le camion, est-ce que je vais vous dire? Moi, je suis là pour le mariage d'un gosse. Toi, tu me viens me parler de l'histoire des camions. Vous voyez? Parce que je me pose des questions. Un gosse, c'est vrai. Moi, en tout cas, je suis très stressé. Beaucoup stressé parce que la cuisine n'est pas encore, non? Rien n'est fait, et puis bah, je sais pas. Je recommence à être très stressé et tout, et tout, et tout. Pour la boisson, la nourriture, il n'y a pas de problème, mais c'est la cuisine. Bah, je suis en chantier. Hein? Laissez-moi tranquille, mais ouais, moi, je suis au mariage. Hein? J'attends, là, on m'envoie des choses. Nous, on a dormi, j'entends souvent, ping, 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 ping. Je m'avais écouté. Et elle va se marier avec elle, Thierry. C'est avec Thierry. Thierry? Hein? Elle va se marier avec qui? Avec Thierry. Parce qu'elle ne vient pas à sa mère, hein? Et puis, je nettoie devant mes narines parce qu'après, on m'a dit que j'ai plein de bas. Moi, je mets des trucs dans mes narines là. Vous savez que je ne reçois pas souvent, bien, je mets des trucs. Hein. Que quoi? Il faut me dire. Parce que moi, je n'ai pas pu tirer là-bas. C'est le toque porte qui est comme cela. Hé! Hey! Non. Non. Pardon. C'est marrant, hein? Parfois tu as envie de parler avec les gens. Mais... moi, je n'appelle plus les gens parce que quand j'appelle les gens, on va dire qu'ils ont vraiment appelé. Et on s'en dit la vérité. Mais c'est vous qui m'avez coupé, non? J'ai même mis le chapeau pour le mariage. Ah. Avec Superprof, Sarah a choisi Florent pour progresser en algèbre. Résultat, 16 sur 20. Bon calcul. Oh,
J'ai vu là, c'est la famille de Thierry qui est parti faire les toquets portes. Mais Thierry n'est pas boulot. Parce que je n'ai pas attendu parler pour lui là-bas. Hein. De toute façon, vous ça. Qui t'épouse, vous allez au pays bas ça ensemble. Tu ne mets pas tes pieds ensemble. Là. Tu dis d'abord. Non, mais Bapi, j'en parlais, Bassa. Vrai ou faux? Thierry, même d'abord, il est doux. Il sort doux. Donc, Thierry, Bassa. Mais il faut m'expliquer, vous savez que les gens comme ça, moi, je ne comprends plus rien. Parce que j'ai. Quand on va faire les toquets portes, d'abord les toquets portes, tout le monde parle, et puis. Report, on demande les portes, les tours. Abaza. Allez, soyez dans l'enfant. Je me réveille à 7 heures. Je me fais un massage. Même si mes lentilles, je me coiffe. Et après, je vais m'asseoir pour l'enganda. Il me faut ça. Mais c'est parce que j'ai...
Écoutez très bien. Si j'allume ma caméra pour venir m'asseoir ici, ce n'est pas pour ma nuit. Je vous pose une question. Parce que moi, je n'ai pas vu... On n'a pas monté son mari. Déjà, le truc qu'il porte. C'est quoi ça? C'est pour ça que j'ai un peu la pauvreté. Le truc qu'il porte de mon petit frère. C'est même le crème, Yannick. Maman, c'est comme le mariage. L'argent des orphelins. Donc, c'est avec ça que vous avez trouvé à des filons. Mais attends, écoutez-moi. Je suis là. Je vais vous poser une question. Mettez le cœur. Ici, je ne veux pas insulter, je ne veux pas dénigrer quelqu'un. Mais je veux comprendre certaines choses. Elle va se marier avec qui? Mais la demande en mariage, c'est le truc qui porte. On t'a pas dit ça. Mais, donc c'est beaucoup, hein? La demande en mariage, c'est le truc qui porte. Bah oui. Ou je me trompe. En tout cas, monsieur Démon, depuis moi, on n'a pas fait le truc qui porte. Nous, on est parti, was. On s'est marié. À Douala. Voilà, c'était magnifique. Puis, bon, vous savez, j'avais acheté. À l'époque, j'avais acheté une petite robe au marché. Et j'ai dit, je vais me marier avec ça. Et quand on est parti au Cameroun, parce que quand j'avais amené mon mari au Cameroun, je pensais que si on connaissait ma première fille, j'allais avoir les papiers. Malheureusement, ma fille, Alice avait 7 ans. Donc, je lui ai demandé, tu m'épouses? Elle m'a dit oui. Et le lendemain, elle était mariée. Elle était mariée avec ma petite robe. Et, pardon, moi je vais aller en Australie voir les kangourous. Non, je suis fatiguée, hein. En ce moment, je suis très stressée, je ne dors pas bien, je me réveille tout le temps et tout, donc, voilà, parce que je veux que mon petit truc soit bien. Pour la nourriture, ça ne dérange pas. Il y a tout. Mais c'est la logistique. Lolo, tu as vu, Ngossa, au moins ça c'est un mari. Hein. C'est quand même marrant que nous tous là, Ngossa, quand on s'est marié avec Monsieur Chevalier, enfin, je ne sais pas où il est, c'est Monsieur Chevalier, entre guillemets, Ngossa, c'est quand même un mari. Et moi, je suis veuve. Toi, tu n'as pas de statut. Tu vas en statut aussi. Bah, même faire un petit, on appelle ça comment, les gens qui vont faire les parcs à la mairie. Parce que tu es madame personne. Tu ne vas pas mourir étant seule. Tu resteras la fille de mon père, la fille du commissaire Pisseur. Ne toquez pas, tu ne veux rien dire. Je vais te dire une chose. Rose rouge et noir. Écoute. Quand tu dis que c'est la mairie, attends, je vais un peu écouter ce que tu as dit ici. C'est la doute et la mairie. Non. Avant de douter une personne, il faut déjà passer le truc et porte. Parce que le truc et porte, c'est là que tout le monde va demander et le pauvre, et le long châssis, et le zabazabazabaza. C'est tout. Mais oui. Tu vois, on donne la doute comme ça. Non. La doute, c'est quand tu as réuni. Tout ce don, tous les gens ont demandé, et les motos, et ceci, c'est ce qu'on appelle la dot. Je ne suis pas bête. Il faut faire la chance jusqu'à. Moi, je ne peux pas me marier. Si je me marie, je vais perdre tout, pour l'instant. Je ne vais pas perdre mon statut de veuve. Oui, mais il faut, attends, je ne parle pas seul. C'est vrai ou faux? Donc, tu vas se marier, aller douter comme ça. Non.
Il te demande ton kepot. Moi, je veux ça, je veux ça. Maintenant, on réunit tout cela. C'est là qu'on appelle la doute. Ceux qui ont demandé l'argent, on donne l'argent. Ceux qui ont demandé les motos, on donne. Ceux qui ont demandé les missions, on donne. Vous parlez de quoi? Ben oui, moi je connais ça bien. Monsieur Degrimont, okay, il m'a quand même doté, hein. 12 millions, hein. On a pris le terrain ensemble, là-bas. Oui? Alors, vous croyez que hein, c'est des prix? Le tourépote, c'est dangereux, hein. C'est très dangereux. La famille peut refuser, même si la fille veut refuser. Mais moi, j'aime bien les choses assez bien présentables et tout ça. Ça fait toutes les choses minables et tout. Et c'est qui elle va écouter qui? Thierry. Ou bien, ça avait du cadeau. Ça avait Thierry. Qui? Le type noir qui paraît, c'est pas son mari là-bas. Seigneur Dieu. Le repasseur. Mais alors. J'ai bien dit. L'agent du terrain. Et. Voyez-vous ça. En tout cas, vous allez, hein. Et, vous ça. Tu parles le mari de ta copine. Oh! Tu te pavènes avec les réseaux sociaux. Et tu es contente. Franchement. Vous savez, le jour que j'ai bagarré avec Moussa, hein, je sortais de l'hôpital. Ça faisait deux jours. Quand on venait m'enlever mon Dieu donné, j'étais seule. Et la perruque est en main là. C'est quand je suis arrivé, j'ai pris ma perruque, j'ai donné un gars d'arranger. Je ne connaissais même pas le gars là. Il avait mon passeport, ma carte d'identité. Donc, j'avais ma vie. C'est moi-même qui ai enlevé la perruque donnée au gars. Et c'est là que Nadège m'a prévenu pas de la perruque pour dire que c'est le trophée. Et Ngossa a commencé à dire, viens pas. C'est pour ça que mes combats, je les mets seuls. J'étais seul. Si j'avais peut-être une seule personne qui était à côté de moi. Ngossa, les leaders. Non, tu sais Ngossa, à l'époque, elle m'a tu dis. Où je ne vois pas une personne qui met mon dos au sol. Ngossa, tu as eu la chance. Et quand elle me retourne, parce que la vidéo est longue aussi, quand elle me retourne, c'est parce que Nadège, papa, il faut même voir comment elle filmait. Regarde comment Nadège, la honte peut la tuer. Oui. Oui. Parce qu'on a d'abord fait au début, poum. Tu as commandé les bosses. J'ai dit que hein, je ne laisse pas. Si j'avais en plus de ça, il fallait que je suivais le gars que je laissais avec mes papiers. Donc j'étais un peu désorienté. À l'époque, je prenais le tramadol pour calmer les maux de ventre et tout. Et maman, si j'étais moi-même, parce que moi, ça n'a pas eu à Paris, je voulais faire ça, Dieu. Malheureusement, Nadine va pas, hein. Il ne faut pas être ami avec Nadine, parce que c'est une personne qui est. Quand tu connais, tu es avec elle, elle joue un mauvais rôle. Que même le jour que Ngossa est parti chez Raymond, les deux étaient ensemble chez Raymond. C'est toujours elle qui est derrière, qui tire les ficelles, il faut attention. Et là, c'est elle qui m'a filmé, alors que c'est mon ami. Mais bon, reportage, Ngossa. Bah oui, mais c'était bien. Moi, j'en ai me laisse pas faire. Tu me connais pas quand il croise les bagarres. Moi, j'en avais ma courte taxi. Je me déplaçais pour aller toquer dans les maisons de mes copines. Dès que tu sors, je t'allume. Dès que tu sors, je te tire dans les escaliers. Il faut leur demander. J'étais seule en plus. Putain, c'était horrible. Là, je me souviens après. S'il y avait seulement une seule personne. En tout cas, je me suis battue. Hein. Ma soeur. Comment on appelle Nadège, je ne s'attendais pas à ça. Hein. Elle dit, hé.
on ne s'attendait pas à ça. Parce que c'était dur. Pépé, tu n'as jamais arraché la perruque, c'est de ma tête. Moi, mais j'ai enlevé la perruque, j'ai donné au gars avec mon sac, avec l'argent et tout. C'est comme ça que Nadine Papa vient arracher la perruque sur la main du gars. Elle donne à compresseur. Compresseur. Tu sais, tu es boulot. Je suis boulot, toi tu es bassin. On t'a dit qu'on t'appelait boulot un jour. Nadine Papa l'a soutenu le Julien jusqu'à. Même bon reportage. Même quand je suis à me retourner, parce que j'avais honte. Oh, regarde les fesses laveuses joyeuses. Putain, j'avais honte. Nadège, papa. Hey! Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Oui? On a rien, mémé. Bon, on arrête le direct. La famille reste la famille. Non, c'est bon. Non, n'aime pas ça, Nadège. Nadège, n'aime pas ce que tu as fait. Non, ne dis pas que la famille, c'est la famille. Je t'ai dit que tu me rends service. Tu tiens sur mon téléphone, c'est tout. D'accord. On voit quand même, elle me souffle et tombe. Il faut qu'on voit quand même, elle me souffle et tombe. D'accord, je tiens. Elle me souffle et tombe. Mm-hmm. Il faut qu'il témoigne comment est-ce qu'elle me souffle et tombe. Regarde, elle a dit que ma nièce m'a insulté, non? Hein? Ma nièce m'a insulté, elle gagne. Mais toi, tu vas me gagner. Même si tu as fait la poche, elle est ici. Tu peux nous faire, non? Voilà, maintenant quitte un peu. Laisse-le. Voilà. 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 Coup de tête. Voilà. Laisse-le. Monsieur. Laissez-le bagarrer. Laissez-le bagarrer. Voilà. Laissez-le bagarrer. Voilà. Laissez-le bagarrer. Voilà. Hé. Hey. Les yeux de... Est-ce que j'avais pris une grenade? Elle n'avait pas filmé parce qu'elle avait honte. Oui. Okay. Oui, elle n'avait pas bien filmé. Ah, dis donc. Okay. Moi, je me bats parce que j'ai appris à bagarrer au village. Oh, merci. Moi, j'ai fait le merci. Maman, tu me peux. Même si tu es costaud de comment. Même si tu me tapes, je veux t'attraper quelque part que tu vas crier toute ta vie. Je t'attrape la 26. Oui, parce que y a un poussé que on m'envoie la vidéo, que j'ai vu la vidéo. Déjà, ma perruque, c'est moi-même qui l'enlève dans ma tête et je donne à un ami. Bon, je ne connaissais même pas. Un ami qui était avec Fleur de Lys, un de ses amis, qu'on a plein d'amis. Et puis, le gars avait la perruque, alors c'est là que Nadège Papa vient arracher ma perruque. Et donne, à l'époque, c'était à l'époque qu'on donnait les trophées. On prenait les trophées, vous vous souvenez? Et tout, donc, c'était pas un trophée, quoi que ce soit et tout ça. Et puis, bah, c'était une perruque synthétique. Donc, voilà. Il faut déjà dire qu'au début, d'abord, on avait déjà bagarré, hein, c'est la deuxième bagarre. Hein. Et il y avait une troisième bagarre que Nadège Papa faisait aussi bagarre avec moi. Et moi, je ne me laissais pas faire. Après, j'avais les coups de visage, les coups de poing, maman. C'était chaud, hein. Et mon bagarre, ok. Non, c'est Nadine Papa qui l'a sauvé. Ah, la vidéo est là. Nadine Papa l'a sauvé. Elle ne s'attendait pas. Tous les jours, je veux voir qui va me demander au sol. Tu es qui? Les gens me négligeaient beaucoup, hein. Moi, genre, quand je dis que je tiens, ok. En plus, j'étais sur Tramodor, je viens de prendre mon jet donné, oh là là, c'était, j'étais désorienté, j'étais seul. Après, maintenant, après ça, on m'a sauvé pour les visas parce qu'il y a eu des coups de poing. Hein. Et après, maintenant, c'est parti, rentrer chez moi. Donc, voilà la vraie vidéo. Dans ma page, allez, regardez bien. Ngosa peut qui? Ngosa adore, tu sais, Ngosa, c'est les femmes qui adorent. Donc, comme elle parle à Facebook, et je pense que n'importe comme moi, elle réagit aussi un peu pareil ailleurs. Mais bon, il faut savoir avec qui faire ça.
J'étais seule pour ça. Si j'avais une seule personne, maman dit que c'était grave. Quand j'ai dosé, tout le monde a crié, c'était le championnat libre. Bah oui. Parce que si Ngosa m'a tabassé, elle met tout le monde au soleil. Maman, est-ce que j'ai quitté Facebook? Qui? Mais elle n'accepte pas, hein. Tout le monde voit que moi je la mets au sol. C'est tout. Moi, et c'était chaud. Nadia m'a parlé, filmé pas bien. Et pour que Ngosa me renverse, elle dit, oh, regarde les fesses, la voix joyeuse, il y a l'eau. Et moi, j'ai eu un moment de faiblesse. Nadia, je ne parle pas toi, c'est ton rôle que tu joues. Et tu te plains aujourd'hui qu'on insulte ta petite fille. Quand tu insultes Namango, que Namango et moi, on se les peignait ensemble, tu as oublié. La vie, il faut accepter. Maman. Si Nadia, je ne vais pas filmer d'abord, elle filme bien. Vous allez voir la magie. Oui? C'est moi qui voulais bagarrer. Qui? En plus, comme on était avec plein de moi, j'avais peut-être un ami et l'autre. Et comme il y avait une noix, perpétue. Donc, j'ai tapé au sol. Admettez, le combat est fini. Jusqu'aujourd'hui. Hein, perpétue est plus forte que toi. Non. Elle a été aidée par sa soeur. Oui, tout le monde le sait. Oui. Je me suis assise sur elle pour la scier le tout au sol. Oui. C'est Nader, papa, qui vient faire le truc et tout, comme d'habitude. Aujourd'hui, alors, les aillons, quoi, là, les magnards. Nadia, je veux pas, toi, si tu dis comment me voler. Non, c'est après que quand ils sont partis chez Raymond Tchenga et tout. Et puis, elles sont rentrées, j'ai perdu mon Dieu donné et tout. Et puis, j'avais mis ici deux seins. Elle parlait fort. Parce que, compression. Les gens disent que c'est moi qui a commencé à l'insulter, mais je ne la connaissais même pas. Ce n'était pas les gens de ma classe. Ce n'était pas mes. Oui, c'est elle qui commence à me clasher. Je ne sais pas parce que j'avais parlé à Flore. Oui. Maintenant que tu es marié, oui. Je ne la connaissais pas. Ce sont les femmes que quand j'allais d'abord à Château Rouge ou bien j'allais au 17e, je les offrais à boire. C'était les femmes qui vivaient dans la précarité et tout, qui dormaient dans les restaurants et tout. Donc la vie, c'est comme ça. Hein. Donc, on dirait qu'elle avait un ramoc. Oui, c'est normal. On sortait avec un féminin ensemble. Oui, elle menace les gens. Hein. Mais moi, là, je me menace, je ne sais pas pourquoi. Mais elle m'a interdit le 17e. Elle a dit. Maman. Elle aimait. J'étais interdit le 17e. Vous savez, non. C'est là, alors que je porte mon show. Dès que j'arrive. Et j'ai pris les barils ici, les barils de tout ce quartier. Il faut voir la vidéo au début. Hein. Elles sont là. Filme. Là voilà. Maman. Ça quoi que. Maka. Elle dit que c'était chaud. Une bonne bagarre. Un bon reportage. C'est alors que j'ai dit que non. Tu ne peux pas rentrer chez moi sans taper une dos sur la fessée. Oh, j'ai mis la pièce. Pop. Ngosé joue au sol. Hey, maman. C'est au sol. De ce mal, ferme ta bouche. Est-ce que Ngosa pas encore dit que. Hein? Est-ce que Ngosa pas encore dit maintenant que. Hein? Mon dos au sol. Je peux faire deuxième rang. Hein? Bien. Regardez bien mes mains ici. Regardez mes mains. Regardez les tout ici. Ici, là, c'est déboîté. Quand tu allumes, tu dis que non. Oui, mais parce que si tu demandes vraiment la bagarre que j'ai eue avec elle, c'était un petit jeu de pouvoir, parce que ça doit de pouvoir. Et dans quoi? Regarde, vous voyez l'Europe? Regarde celui que Moussa m'a choisi. C'est son cœur. Un pauvre type. Un voleur. Et Moussa. Tu as quel avenir avec ce type-ci? L'avenir, les gens vont cotiser pour les orphelins. Tu avais vu la vidéo et tu as trouvé ça con. Je me suis défendu, j'étais seul. Hein. J'ai dit, j'étais seul. En plus, j'avais l'argent. J'avais ma.
J'avais tout, ma carte de séjour, mon passeport. J'avais des certains papiers importants. Donc, j'envoie les gens au commande. Maman. C'est quand je vois que là, voilà, c'est comme ça. Donc, je me tourne, je vois le gars, là, je prends ma perruque, j'avais ma perruque blonde. Et je donne mes sacs et tout, je ne connaissais même pas. Non, elle avait des petits coups de... Je ne sais pas si elle avait des coups de poing américains. Mais il y avait quelque chose qu'elle me tapait comme ça. Et ça bougeait mon cerveau. C'était dur. Hein. Et moi, je vois que j'ai tenu. Elle avait des coups de poing américains. Tu vois les petits trucs là qu'on met ici. Là-bas. On met ça ici. Donc, quand la personne te fait comme ça, maman, ça faisait mal. Mais je ne lâchais pas comme ça. Gossa était sauvée par Nadège. Hé, hey, Nadège, bah. Quand j'ai mis au sol, bah. Si vous me demandez qu'un. Elle m'a dit, j'ai interdit. Je t'ai interdit le 17e. On a dit, toi. Tant que j'envoie payer le goyave à mes enfants, je ne sais pas, une sulbataine, je ne sais pas quoi. Ok. Ah. Mais c'est un gosse, ça se sentait ici. Hein. Et c'est comme ça qu'elle voulait taper quelqu'un partout. Quelqu'un m'a sauté le nez d'un gosse. Oui. Chaque fois, elle voulait bagarre. Elle aimait la bagarre dans les poules. Elle aimait la bagarre. Elle dit que dès qu'elle a parlé, quelqu'un est parti. Et pas. Mais je ne sais pas pourquoi, vous voulez, je ne sais pas pourquoi. Moi, je connais la force des deux femmes là. Pour que je les ai goûtées. Moi, je pense que Flo peut taper un gosse bien. Comment je l'ai tapé, c'est tout. Hein? Mais je ne comprends pas pourquoi elle a eu peur de gosse. Ça n'est pas ça. Depuis des années, maman, Ngosa a théorisé. Je veux quand même aimer que, avant que la vie ne finisse, vous bagarrez un peu. Parce que Ngosa, c'est quelqu'un qui adore les Sissia. Oui, vous venez non. J'avais déjà fait ce que tu es venu ici pour taper la bouteille, ma propre bouteille que j'ai brûlé mon vin. Et c'est moi ce que je viens de dire. Mais moi, j'ai allumé Flore, j'ai tabassé ici. Hein. Arrêtons un peu les histoires hein, de la veuve joyeuse. Hein. Je ne suis pas un enfant, hein. Moi, je me bats. Hein. Je me bats. Et je vous dis hein, qu'à l'époque, je sors de l'hôpital, je viens de perdre mon Dieudonné. Hein, mon fils. Et le jour-là, il y avait même pas un groupe qui faisait aussi un truc de soirée, de ça, pour le sport. Je suis passé mettre ma paille de culotte. Maman, c'est comme si j'étais prête. Avec du calot au volant. Nadège papa qui filme. Et la Champion League est là. J'ai dit que quoi, j'ai d'abord enlevé ma perruque. On a d'abord commencé là. Nous a séparés. J'ai dit que non. Mon visage est okay. On a alors attaqué. Oui. J'ai dit que Nadine m'a pété. J'ai dit que c'était grave. Tout le monde a regardé. Okay. Hein? Et puis tu sais, des gens comme ça qui se croient. Parce qu'à l'époque, elle faisait aussi la gymnastique, elle faisait comme ça. Elle faisait comme ça. C'est comme ça, je me dis, la fille, si elle va me terminer, je dis que non. Et quand j'ai mis son dos, je m'a dit, alléluia, amen. On va respirer à Facebook. Où ça? Je ne vois pas. Parmi vous, tout là, tu ne peux mettre mon dos au sol. J'ai dit, ok. Elle me connaît vraiment. Mais, où ça? Battery medium. Bah, ouais. Connected to. Galaxy IQ 4. Le jour là, si j'avais seulement une personne ou deux personnes qui étaient avec moi, vous allez souffrir, j'allais avoir la force. Parce qu'il fallait que je regarde aussi le gars qui gardait mes. Je ne connaissais même pas. J'ai donné mes papiers, mon argent, mes téléphones et tout. Et c'est comme ça qu'il fallait que je regarde s'il est toujours là et tout ça. J'étais désorienté. Franchement, c'était horrible.
Oui, mais parce qu'elle m'avait interdit. Si je pars à debout, debout, parce qu'elle m'a interdit le 17e. Elle m'a interdit debout, debout, vrai ou faux. Oui, moi, ça m'interdit du tout. Hein. J'étais interdit de Cameroun. Hein? Moi, ça. Ah bon? Mais tu as mon numéro, non? Oui, mettez quand même le cœur, vous voyez ça coupe parce qu'il n'y a pas de cœur. Mettez quand même le cœur, non? On ferme, tu es déjà pas. Mettez le cœur, si vous ne voulez pas que j'arrête, dis donc, moi je m'en vais à TikTok, parce que bon. Vous venez seulement écouter le japa, mettez le cœur, ça veut. Dis donc. Vous êtes toujours comme ça. Eh, vous c'est. Mettez le cœur, et si c'est pas payant, hein, c'est gratuit. Eh, moi je mets le cœur parce que je ne veux pas partir avant de dormir. On vous demande de mettre le cœur. On a que ici c'est payant, c'est gratuit, c'est Facebook ici. Hein. Hmm? Ici c'est Meta. Bon. Comme vous ne voulez pas mettre le cœur dans ma page, on met la musique. On vient discuter. C'est quoi ça? Vous prenez pour qui vraiment les chiens comme ça? C'est gratuit ici, ce n'est pas Meta. Ici je ne paye rien. J'ai même perdu ma page. Parce qu'il y a on m'a encore fait quoi? C'est quoi? On vous demande de mettre le cœur, c'est quoi? Vous êtes là, vous devez entendre les histoires des gens, mais vous ne voulez pas faire l'effort aussi. Mon PayPal est là, vous devez cotiser. Non. Je me plains encore. Non. Oh. Demain, là. C'est tous les mêmes gens qui m'aident. Mais arrêtez un peu avec votre radio. Vous êtes trop radin. Merci, ma chérie. Oh, rien que toi. Tapoter comme ça. Merci beaucoup, merci. Oh, merci. Tu fais comme ça. Ouais, arrête un peu ton début de calvitie. On tapote. Oh, Warriors. Warriors, merci beaucoup Warriors pour les roses. Je ne danse pas pourquoi. Nous ne sommes pas. Pour ton tapot, ne danse pas pourquoi. Je ne sais pas. Béatrice, merci pour la rose. On tapote, mes sous l'homme d'amour. On tapote. Commencez à envoyer mes cadeaux. Bon, comment parler, non? J'ai été, non? Je vois le téléphone. Je demande quand même, peut-être que vous allez me donner un téléphone. Parce que le téléphone se ne charge plus. Je ne sais plus quoi faire. Je suis très stressé. En tout cas, on est en chantier. Mais je suis très stressé. Je ne sais pas le nombre de gens qui vont venir, mais je vais vous parler beaucoup. On était où on parlait même de quoi ici là? Je me souviens même pas. On était où? Aidez-moi. On continue la conversation. Moi, je bois mon chardonnay, après je dors. Demain, je ne veux pas attendre un bruit. Aucun téléphone ne va charger. Je me lève, je m'en vais vite à Château Rouge. Je fais ma coiffure vite fait. Je fais mes ongles, mes cils. Je rentre. Je récupère toute la nourriture. Demain, c'est 18. J'ai un anniversaire demain. Je vous demande qu'on est. J'étais où? Je parlais de quoi au début? Donc vous êtes là, vous n'écoutez, c'est pas vous ne dites rien. Et vous me ramenez dans l'histoire que je parlais avant, et après maintenant on continue. Si vous me ramenez pas dans l'histoire, j'ai oublié. Je veux parler d'autre chose. En Tongo, c'est Lolo. Je n'ai jamais eu là où Lolo bagarre. Je ne connais pas la force de Lolo, donc je ne peux pas. Je ne peux pas dire. Mais entre Lolo et Flore,
entre Ngossa et Flo, Ngossa tape, non, Flo tape Ngossa propre. Je connais, tu sais. On se connaît. Les trois gens qui ont bagarré, c'est moi. Et la seule blogueuse qui bagarre avec tout le monde, c'est moi. Bah oui. Moi, si je bagarre avec lui, je vais la tuer. Et parce que quand une personne est en état, on se connaît. Il y a les techniques de bagarre. Moi, j'étais au village, on nous a appris comment quand une personne est grande de taille, si tu es petit pour bagarrer avec, vous connaissez comment on nous a appris. Moi, j'étais à la formation. C'est la première fois de ma vie de bagarrer. Donc ici, je bagarre avec l'autre, je la tape propre. Et je le dis, ouais. Je la tape sans me salir. Je la tire même au sol, elle ne se rend pas compte. Moi, j'ai grandi au village, on nous a appris des techniques de bagarre. Oui, mais Messing, non? Vous connaissez Messing? Messing. Messing, c'est. On nous apprend ça. Toute la journée, on nous met. Lolo, je la tape. Pop. Elle sait très bien. Il la tape. Bah oui. Déjà, elle est déjà instable. Quand elle boit sur autre chose, alors. Elle va faire comment? Quand elle veut tirer un dessin. Il arrête ici. Comment les seins ici? Les gens consomment le temps vite fait. Ou, laisse-moi. Maintenant, je ne laisse pas le loup. Toi et moi, mais ici, là. Ok. Mais entre Ngossa et Flo, les deux sont violents, mais Flo tape Ngossa. Flo tape Ngossa. Ok. J'avais demandé à Flo, mais pourquoi tu avais peur d'elle? Elle n'est pas forte. Si moi je sors de l'hôpital, je suis sur tramadol. Non, j'étais drogué. En plus, parce que je sors, je buvais des tramadol. Vous vous souvenez, je viens de perdre mon enfant. Hey, mon Dieu, donné. Mon petit fils. J'ai mis la grossesse là. Et les gens m'ont vu ma petite grossesse là. Dieu donné. Mon grossesse a pris mon Dieu donné. Elle est maintenant dans son frigo. Hey, ça me fait mal. J'aime. Vous savez la carte que tu aimes être enceinte. Et j'aime mon Dieu donné. Quand je veux dormir, je caresse le ventre. J'étais allée. Putain. Je me lève le matin. Boum. Il n'existe plus. Il est parti. Ouais. Moi, j'ai grandi au village. On nous faisait les bagarres. Mais si on nous a appris le merci. Oui, on prend une petite fille qui est comme tata, qui est comme toi. Vous commencez ça, étant petit, hein, étant bébé. Hein. On vous met comme ça, comme ça, tu crées comme ça, étant bébé. Vous grandissez et tout. Et merci, moi j'ai pris ça. Oui. Il a dit que la troisième bagarre, quelqu'un va chier dans mes mains, on l'entend. Laisse mon Dieu donner, ne parle pas Dieu donner, laisse. Il n'y a que moi ce que tu dois penser, mon Dieu donner. Et mon fils. Facebook, c'est. Mon Dieu donner. Oui! Si ma grossesse arrive à t'aimer, est-ce que je suis la femme la plus heureuse? J'ai tellement aimé l'enfant là qu'elle. Enfin, bref, on ne parle pas des choses qui sont tristes. Claudia Mim, on arrête là. Hein? C'est mon histoire. Donc, ça n'a rien fait, mon Dieu donné, n'a rien fait. Donc, on parle d'autre chose, d'accord? Qui va la taper? Moi, je ne parle pas. Arrêtez un peu, vous savez, je n'aime pas cette chose. On a con. On continue à parler d'autres choses. Moi, j'ai juste pensé à mon fils comme ça. Vous savez, c'était délicat un peu. Ça me fait mal. Et vraiment, Facebook, c'est. Oui. Parce que je sais que Flo est forte. Hein? Oui, elle est forte. Mais, j'ai demandé que, faites une bagarre. Il serait caché quand je vais voir qui va gagner. Oui.
Mais je sais que je fais pas de tapping pour ça. Pop, je vous jure. Oui, je fais pas de tapping pour ça, oui. Parce que ça, c'est de vous. Elle fait le secret, elle va t'intimider, ouais, machin, c'est ceci, tu vas pas faire prise. C'est comme les bandits là, pour t'intimider. Elle ne sait pas qui est Andy Warhol, qui est là-bas, que je m'en fous d'intimidation. Bah oui. Parce que là, ça, c'était la deuxième bagarre. Là, elle m'avait mis les coups de poing, tout ça, je ne laissais pas. Et après, maintenant, alors, elle dit que non, je ne peux pas laisser. Une femme ne me tape pas. Non, si on me tape, ce n'est pas comme ça. Il faut quand même que le dos entre au sol. C'est là maintenant qu'elle sort. Notre chère compresseur, parce que compresseur doit dire le mot. Personne ne peut mettre mon dos au sol. Est-ce que tu connais la force de ton agresseur? Tu ne connais pas. Elle, c'est... Maman. En tout cas, je ne sais pas là où ils sont allés se marier ou au Cameroun ou c'est où. Moi, comme personne, toi et moi, ça on est. Voilà ma cour. Oui, j'avais bagarré, j'étais en fausse couche, oui, effectivement. Ça veut dire, ton propre toque porte, Manzata qui t'ignore, si c'est toi. Je dis que, moi ça va vivre aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Hein. Mettez un peu les cœurs, mettez les cœurs. Mana solamo, danyone atimamo. Maranyumo. Ale mabuti imene. La mimwa mawanse. Le cœur. Mette kame le cœur, ouais. Abel o wunga mbola na mbe. Mbe, tu o wunga. Oyango. Thierry est où là? Comme je ne connais même pas Thierry, il est où là? Il est là. On peut même dire, tu n'es pas encore parti. Mali, je n'ai pas mené du monde. Il n'est pas été difficile. Parce que quand deux personnes se rencontrent, c'est les deux qui savent ce qu'ils cherchent, ce qu'ils font. C'est pour ça que je n'ai pas été resté vrai. Vous avez commis des fautes ici, mais ça, je ne vous pardonne pas. Vous allez payer. C'est vraiment. Maintenant, ça veut dire que ça, c'est le toque porte. Il a donné la bouteille. Mais je ne vous donne pas la liste maintenant. Donc, quand vous prenez une princesse comme celle-ci, déjà. Excusez-moi. Ça, c'est une partie. La personne qui parle là, c'est qui? C'est Thierry. Moi, je ne connais pas tout. La personne qui parle ici, c'est qui? C'est Thierry. Je veux savoir. Quand on va faire le toque-porte, on ne dit pas que je ne vous donne pas la liste maintenant. C'est dans le toque-porte qu'on donne la liste.
ce n'est pas Thierry. Et Thierry est là-bas aussi. Thierry est là-bas aussi. Wonderful. Donc, Ngosa va faire le toque porte. L'histoire, c'est... Pardon, je n'ai pas... Donc, Thierry n'est pas là. Mais que les épouses soient là, les futures épouses soient là. Bah, écoutez, bon. Réveillez-moi un peu là, je veux comprendre quelque chose. Donc, elle va faire toque porte. Chez les qui? Chez les Bassa. Thierry et Bassa. Parce que là, j'entends, on parle de Bassa. Là. En tout cas, tu ne viens pas à ça, Maliba. Ben, je ne comprends pas. Ah, par procuration. Ça. Donc, tu peux épouser Thierry. Ah, ça va. Oui. Donc, elle va te toquer pour te celle. Sans son mari. Bon. Bah, il faut que je me réveille. Hein. Le mari ici. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment Thierry qui va l'épouser? N'est-ce pas la voyager avec Jicaro là-bas? Peut-être que c'est Jicaro. Parce que. Je... Quoi? Eh, anti. Ngosa. Tu m'as souvent déçu de tout aussi. Parce que, attends, ça se fait à deux, ce genre de choses. Oui? Ça, le toque porte se fait à deux. Ça ne se fait pas comme ça. Ou tu veux cacher autre chose? D'abord, même si on va dire que tu épouses, qui peut même d'abord t'envier? Tu épouses un pauvre type qui vole les cigarettes, qui commande les cigarettes en haut, qui vole les demi-billets dans les. Ensemble. Franchement, je ne comprends pas. Ils veulent escroquer les gens. Oui, c'est un peu mal. Pour une femme africaine, c'est la première fois que j'entends que la femme va faire. Oui, mais ça arrive comme faire un mariage par procuration. Oui, mais bon, là. Oui, parce qu'ils ont trouvé un filon pour escroquer les gens. Les PayPal, les orphelins, et pauvres orphelins. Et parce que c'est pas ça. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Donc, ça pas fait de tout que porte. C'est dans quelle famille? Parce que vous avez dit que Thierry était boulou. Là, je n'ai pas entendu parler boulou là. Hein. Moi, je pense que c'est Achille, dit Calo. Moi, je crois que le truc qui parlait, c'était ton mari. Hey. Seigneur Jésus. Sauve-nous. Tout ça pour faire quoi? Pour choquer qui? Et, si tu étais comme peut-être avec un noir qui est. Bah, Thierry a quand même, il est quand même mignon. Un noir qui a l'argent. Je l'ai accepté. L'argent des orphelins ne peut pas être entier. Tu vas au Cameroun. Fais les toquets. Depuis quand il va faire les toquets? Après, il va être taisé, vous faites pour vous. Moi, je vais aller en Australie, je vais faire ma truc pour en Australie. Vous allez voir les kangourous là-bas, vos choses là, je ne suis pas avec vous. Moussa. Il y a toujours quelque chose qui arrive avec les réseaux sociaux. Mais il faut se marier avec une personne qui a un peu les moyens, qui travaille, avec qui ta vie sera heureuse, pas avec lui. Thierry travaille où? Quand ça ne va pas, il bloque ses comptes, les comptes qu'il ramène un peu sous et tout ça. Oh mon Dieu. Où ça? Si c'est vraiment vrai que tu es parti faire toquer porte, c'est que vraiment tu es misérable. Hey. Même si tu épouses Thierry, c'est qui? Hey. Avec les beaux, il y a les beaux garçons, non, ici, les avocats, bah, ça. De bonnes conditions de vie. Bonnes... Tu vas vieillir avec qui? Un mec qui va te mettre la prostitution plutôt que va te prostituer?
pour vous nourrir. Tout ça, mes soeurs, là, je rappelle ça dans ses choix. Mais je ne comprends pas leur but. Vous êtes venus faire quoi ici en France? Nous sommes arrivés ici pour chercher quelqu'un qui va nous élever un peu. Pas forcément blanc, mais une vie assez meilleure. C'est ce qui est la précarité. Et je suis arrivé ici. Tu vois des lumières, des blancs, et puis tu tombes sur un voyou. Un mec qui te tabasse, qui te repasse la peau. Et vous comptez aux orphelins. Moi, je vais aller m'asseoir, je ne sais pas, mais ça me dépasse. L'histoire, ça me dépasse. Moi, je pense que c'est Dikaro. C'est fiancé avec Dikaro. Moi, je pense. Parce qu'on ne peut pas faire tout que porte s'il n'y a pas de conjoint. Nous aussi, on a nourri, hein. On a nourri tout comme on a nourri. Depuis quand la femme va faire tout que porte seule. Donc, la femme. En tout cas, ça, son cul est bon, hein. C'est sûr que les hommes aiment bien son cul, hein. Mais en tout cas, moi, je ne comprends pas, mais. Mais ça, si tu es blogueuse là, si tu es une comme Lolo ou ça, je, moi je comprends pas le mode de vie parce qu'on est venu ici pour faire quelque chose. Pour nous-mêmes, pour nos familles, pour aider. Vous venez ici pour prendre les qui? Les otas, les rampes, les thierry, les voleurs dans les whisky. Moi je ne comprends pas. Hein. Je ne vous juge pas, mais moi je ne pense pas. Vous ferez mieux de rester en Afrique, hein, parce que franchement, vous êtes venu ici, pourquoi? Si c'est les noirs que vous aimez vraiment, en plus les bosaïens qui ont bosaïen avec vous dans le désert. Lui-même là-bas sans papier, sans avenir. Toi-même là-bas. Mais ça, je suis fatigué avec vous. Je suis une femme traditionnelle. On ne peut pas faire toquer porte sans le conjoint. Attention. Il est là. Il ne voulait pas qu'on filme. Attention. Jamais de la vie. Oui. Soit tiré là-bas, soit Achille là. Achille là-bas, non. Voilà. On ne peut pas faire toquer porte sans le mari. Ce n'est pas par procuration. Tu as dépensé 4000 euros. Ah bon? Donne l'argent. L'argent est offert. Hein? Merci. Que part là, dit que quoi? Ok. Moi, je sais qu'à ma connaissance, le toquet porte, il faut que les épouses, les conjoints soient ensemble. Peut-être que Ngossa peut vraiment être l'enfant de père, rien. Parce que quand lui, l'épouse, il fait le mariage de ses filles, il n'invite jamais Ngossa dans les mariages. Il est toujours seul à danser. Donc, voilà. En tout cas, c'est entre eux là-bas. En tout cas, je me suis bien débrouillé quand j'ai mis son dos au sol. Attends. Non, il y avait pas un trou là de 100 000 francs. Non. Il y avait quoi? Même les petits trous pour ces pauvres. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. Putain, ça va. C'est pas possible. Il n'y a rien. Bon. Ça dépend aussi, hein, des moyens qu'on a. Mais pour moi, il faut se voir que on a seulement montré ça au début. Il y a les autres paquets qui viennent après, mais on ne montre pas. Maléba, je te donne le tchakap. Que Dieu te bénisse. Maman. Donc, Maléba va épouser chérie. Ne viens jamais à Saint-Maléba.
Tu ne serais jamais ta belle-sœur. Moi, je t'interdis. Parce que toi, tu m'interdis le 17e. C'est bon. J'ai tapé ton dossier. Tu m'interdis le Cameroun. Mais moi, je t'interdis ça. Alors là, je vais. Ça ne fout même pas ça, Marima. On m'interdit toujours tout. Ouais. C'est ça. Elle m'adore. Elle adore la violence. Vous savez, quand vous faites des armations, on vous apprend que pour terroriser son adversaire, il faut parler fort devant ton adversaire. C'est pourquoi j'ai fait des armations étant petite. Ah oui, j'ai fait des armations. Ah oui. Regardez ça, j'ai quatre. Vous voyez ici là. Est-ce que ici. Et ici, c'est pareil. Quand il attend mes bagarres. Elle ne met pas ses pieds là-bas dans mon assemblement. Oh, moi, j'ai mon assemblement, mais pas interdit ça. Moi, je ne comprends pas parce que les traditions sont en train de se perdre comme en Afrique. Hein, parce que une femme qui va faire tout que Paul sans son copain. Donc, ça, tu veux tellement être avec Thierry. Eh, ça. Ça dit que. Mais t'es cassé une place. Comme si les wou-wou l'aident d'abord, fait quoi que ce soit. Les wou-wou-wou. Ah, moi je donne les noms, hein. Que quoi? Où ça ressemble maintenant, c'est pas vrai. Elle n'est pas là ensemble. C'est pas vrai. Elle ne peut pas. Ça me dit, hein. Qu'elle peut pas. Il faut seulement qu'elle filme en direct. J'envoie seulement le contagion. On va la malmener propre. Un monsieur qui parlait quoi? Avec qui? Est-ce qu'on parle de tout ensemble? On parle boulot. Mais il y a les étoiles qui sont à côté de lui, on peut parler aussi. Hein? Il faut me dire, dès que vous voyez un gosse ensemble, je ne veux pas la louper là-bas. Hein? Je ne veux pas d'elle comme belle-sœur. C'est hors de question. Non, le 19, ça va bien se passer. C'est comme d'habitude, quoi. Sauf que la cuisine ne sera pas prête, mais bon. Non, pas du tout. Ah, si on n'arrive pas à finir la cuisine, bon. On va finir lundi, hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Moi, je sais qu'on ne peut pas, on ne peut jamais faire un truc porte par procuration. C'est hors de question. Non. Il y a quelqu'un qui était là. Il était là, mais il ne voulait pas se faire filmer. Je soupçonne Achille. Raymond est toujours là dans les trucs comme ça. Ma fille, tu as tes propres enfants. Et. Quand tu
Quand tes enfants se marient, tu ne veux jamais Ngossa. Le jour que je viens avec Ngossa, ça sort seulement que ici, c'est quoi? 2 plus 3 égale 23, non? Ngossa. Ngossa arrive pour le mariage, elle ne voit pas le mari, elle retourne avec son bien. Vous dites à son frère là que les soins avaient dit que ici c'est 2, non? Là c'est 3, non? 2 plus 3 égale 23, non? Maintenant, et j'étais. Tu sais que moi j'en suis partout, hein? Ngossa! Ah oui? Parce que dans les tokepots, là où on parle de la tradition, c'est là où on donne les conseils aux jeunes mariés, comment se comporter. Donc, pour moi, je pense que le mari était là. Je pense que, oui, vous allez me donner raison. C'est pas bête, hein. Oui. C'est parce que dans le tokepot est encore plus instructif parce que on apprend. Il y a beaucoup de choses qui se passent au tokepot. C'est hors de question qu'une femme seule. Non, je ne crois pas ça. Calmez-vous. On se calme. Je pense que demain, tu vas entendre que le mari était là. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui vous confirme. Achille Dikalu est parti faire quoi au Cameroun? Il fait quoi là-bas? Mais parlez-tu devant parce que il a encore. Est-ce que. Moi, je n'ai pas plus de lui. Moi, j'attends ma convocation quand je vais aller au Cameroun. Mais moi, je vais me présenter. Tout ce que par là, il vaut aussi la visibilité aussi pour qu'on parle de lui. Hein. Attends. C'est tout. On n'attend pas, moi, c'est un samedi. Est-ce que c'est un problème? On attend. Mais vraiment, le truc est pour, ne pense pas. Le mari était là. Ah bon, hein? Ok. Pour là-bas, c'est bien à savoir aussi. Moi, je ne savais pas, mais moi, je préfère être avec mon amoureux pour le toquer porte quand même, hein, que de faire ça seul. Tobichou, tu sais, peut-être que tu me prends pour une marionnette, mais il faut savoir que moi, je ne veux plus de toi parce que tu es insolent. Tu m'as insulté pour rien du tout. Je suis à TikTok, je fais ma vidéo. À un moment, je te demande de descendre de la vidéo. À cause de ça, tu m'insultes. Tu sais, moi aussi, je suis fatigué des injures gratuites. Tu viens me voir dans ma vidéo. Je dis que non, descends pour faire autre chose. Eh, ne me parle pas comme ça. Hein. C'est très facile pour les gens comme toi d'insulter les gens. Hein. Tu t'es fait quoi? Non, tu ne viens pas dans mon Ghana. Tu n'es pas invité ici. Non, tu ne viens pas. Il faut arrêter un pauvre. Chaque femme, je te demande, je suis dans mon direct, je te demande que descends seulement. Tu te permets de m'insulter comme moins que rien. Non. Non, même si tu es là, non, tu ne passeras pas ici, non. Non, je ne veux pas. Non. Vous insultez les gens pour rien. Hein? Tu peux faire un truc ici et dire à la personne que descends, l'autre personne peut monter. Toi, tu peux me faire un direct, tu m'insultes, tu me lèches, tu lèves mes fesses, tu m'insultes. Et tu penses que je vais t'accueillir chez moi? Non, tu ne viendras pas. Non, je ne comprends pas. Maintenant, à Facebook, on insulte pour rien. Donc, te demander de descendre, c'est un problème. Et tu vas faire un direct, tu m'insultes, ma astico, tu m'insultes de tous les noms. Et tu penses que je vais te faire arriver ici? Non, ça s'arrête là. Il faut quand même faire attendre. Je t'ai rien fait du tout, je t'ai même pas rien du tout. Les Jésus descend
à cause de ça, tu m'as insulté. J'ai eu mal au cœur, hein. J'en ai marre un peu de ce genre de gens que vous voulez faire un petit buzz dans les réseaux sociaux en insultant gratuitement les gens, moi je suis fatigué. Oui? Moi je n'ai pas compris pourquoi tu m'as insulté. Moi je n'ai pas compris. Tu viens dans mon direct, je suis gentil avec toi, je te demande de descendre, c'est tout. Non, tu ne viendras pas. Non, je ne veux pas de toi. Non. Même déjà, Waris ne sera pas là. Je ne veux pas. Je ne veux pas les gens qui sont mal polis. Donc, pour toi, c'est très facile. Hein? Donc, je te demande de descendre dans mon direct. Et. Hein, je suis ton tout, quoi. Et puis, tu as vu comment tu m'as insulté là. Oui, moins que rien. Tu m'as insulté propre. Et tu penses que parce que tu seras à Paris, tu vas venir ici. Non, je ne sais pas. Non. Non, je te dis que non, je ne veux même pas de toi, je ne veux pas. Non, je ne veux pas de toi, Toby. Non. Je ne veux pas les gens comme toi, parce que tu es impoli. Ok. Descends. Ça devient un problème. Je dois. Hey, ne me parle pas comme ça. Jusqu'à que tu peux faire un direct, tu m'insultes. Non. Non, 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 tu ne m'insultes pas. Tu dois me respecter. Il faut apprendre à respecter les Waros. Toi, tu ne me respectes pas. Tu n'as aucune dignité. Pour rien. Donc, maintenant, c'est comme ça. Tu viens de mon direct, tu descends. Je veux pas quelqu'un d'autre. Tu pars faire un direct pour m'insulter. Sale femme, astico, puterie. Bah oui. Et tu parles, tu n'es pas ici. Tu ne parles pas très bien. Je veux t'apprendre comment ça se passe. Ici, on regarde assis. Souvent, quand je sors, je parle tout le monde. On passe chez les blancs. On danse. Après, on revient, on dort. Après. Moi, je n'aime pas les gens qui sont insolents. Moi, je m'amuse pas avec toi. Je vais te bloquer, attention. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. Je crois que tu mérites d'être bloqué. Et puis, bah, voilà, je te bloque. Et puis, bah, voilà, tu es bloqué. C'est tout. Non, pour rien. Donc, il appelle dans mon direct. Et je dis, écoute, est-ce que tu peux descendre? Je veux faire un truc. Il est fâché. Tu te prends pour qui? Il commence à m'insulter. Bah, putain, j'en ai marre de ce genre de personne. Non. Il va, maintenant, comme je l'ai encore bloqué, là, il va maintenant encore aller m'insulter propre. Hein? Bah oui, comme ça. Pour rien. Moi, je demande juste que non, j'ai à bloquer. Descends, je veux pas quelqu'un d'autre. Il ne veut pas. Il n'est pas fait un diet. Je te prends pour qui, tu es qui. Maman, attends. C'est fini, il ne peut pas mettre les pieds ici. Jamais. Jamais. J'ai dit non, je ne veux pas déjà être poli, mal poli. Moi, je veux avoir mon petit monde bien agréable. Voir pour d'avoir une petite musique bien. C'est bien, on est bien, quoi. Je ne veux pas les gens qui vont venir faire des histoires de placarder les réseaux sociaux. Oui, 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 il m'avait insulté parce qu'il était dans mon direct. J'ai seulement dit que, ouais, Tommy, tu as, on est resté longtemps, non? Descends. Il dit, non, pas descendre. J'étais obligé de couper mon direct à TikTok. Après, il s'est fâché. Il m'a insulté. Tout le monde s'est bloqué à TikTok et tout. Oui, pour rien, hein, comme ça. Donc, il finit de m'insulter, tout ce qu'il a dit, et quoi qu'il va appeler, je vais le prendre, et quoi qu'il va venir sur le radar. Mais je mets ici, avec mes deux Waros qui vont venir. Je ne peux pas. Pour rien, c'est facile d'insulter. Hein? Moi-même, j'insulte, je sais que moi-même, j'ai une langue bien pendue, mais je n'insulte pas pour rien. Demandez de descendre dans la page.
c'est dans le droit d'aller m'insulter comme un poisson pourri et le jour au lendemain tu viens parce que c'est ma veuve, ah non c'est fini ça. J'allais mal. Pour rien. Parce que c'est ce que c'est. Et puis demain, j'ai un anniversaire. Waouh! Attends. J'ai un anniversaire. J'ai trouvé une petite robe là que je veux porter. Très jolie. Bah, il m'a insulté dans un bus. On s'en fout, vous savez. Moi, je suis comme je suis. Hein. Depuis des années qu'on m'insulte, ma vie n'a pas changé. Hein. Leur vie peut-être a changé. Non, je suis stressée parce que là, il faut que, là, il faut que je fasse un programme précis. Bon, mon problème, c'est que je n'ai pas pour aller mes sous là. J'attache. Poisson. Après, je m'en vais acheter le rouge, j'achète les héros et tout ça. Oui, ça peut se faire, oui. Non, non, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Non, ça, c'est des petits, jeunes, des petits garçons. Quand tu les mets chez toi, il veut parler fort. Quand tu vas apprécier une personne qui veut parler fort, que tout le monde sache qu'il est là et tout, tout Michou et tout. Non, je ne veux pas. Moi, j'ai mes vieilles mamans qui vont venir là. Demain, je vais acheter la viande de brousse et tout et tout. Je ne veux pas les problèmes ici. Demain, je vais à l'anniversaire. Vite fait, bien fait. Avec un amangoué invité avec moi. Je pars. Après. Je rentre dans la nuit et puis bah, je commence à préparer tout ça. Et puis voilà. Moi, je n'ai pas de problème ici. Je vais devoir mettre une bonne musique soft. Moi, bah, mes deux amis, hein. Nous, on est calme, nous. On regarde Facebook. Et je vous dis, j'en ai Nadège, tu me regardes. Quand je viens d'être direct, je demande les gens qui m'insultent là, je n'accepte pas. Voilà. Parce que quand toi tu viens d'être direct, je parle. On ne t'insulte pas. Donc, bon. Donc, je ne veux pas. Moi, je n'aime pas le manque de respect. Ça fait mal, hein, Nadège, qu'on insulte ta petite fille, n'est-ce pas? Tu vois? Nadège. Non, c'est demain, demain, je vais mettre les. Demain, je vais mettre les prix. Oui. Je prends uniquement les gens qui passent leur commande. Vous passez votre commande. Oui. Donc, voilà. Oui. Ça fait mal, hein? Quand vous insultez les enfants, les faits de. Tu avais insulté Namango, non? Et Namango, t'avais fait quoi? Que ma fille et moi, on baise ensemble. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, on est juste ta petite fille, il faut s'assumer. Bah oui, ça fait mal qu'on est juste la petite, les petits-enfants. Hein. Et Namango, elle est déjà habituée depuis des années qu'on est juste. Donc, Namango n'est plus là dans vos choses. Namango, elle est fabriquée par sa grand-mère. Je dis que la vidéo que j'ai rigolé, c'était quand j'étais à Carcassonne. Namango est là. Mais si, pour les étoiles, mais si, voilà une fille qui dit que tu n'as pas honte de commander les étoiles avec ta petite fille. J'ai dit que j'ai lavé la fille là. J'ai dit que ma pub partait en côté. Quoi? J'ai appris, j'ai ri jusqu'à. Tu n'as pas honte de commander, tu n'as pas ta petite fille à commander. Non, on va faire comment? Il n'a même pas eu le dimanche, on passe sur la bombe, on met les trucs au sol. J'ai payé un coup. Non, pas du tout. Pourquoi? C'est toi qui m'as payé un coup. Vous savez, vous êtes tellement idiote et malheureux dans vos vies. Je suis chez moi. Un coup, oui, c'est placé par où ici?
Et même si je prends, tu crois qu'avec tout ce que j'ai de là, je ne peux pas prendre ça. C'est pas avec l'argent que la veuve a pris un coup. Ce n'est pas la même chose. Donc, tu n'es pas la bienvenue ici. En plus, je porte la faute de ma faute. Dégage. Il n'y a que ma faute qui ne parle pas dans le coin. Alors qu'il y a des vidéos ici. Là où elle a voir, pourquoi tu allais payer le coup. Les coins, le coup et rentrer, c'était le sable. La bastonnade de ça. Tout pour vous, c'est le coup. Je dors, je mange, je me réveille. C'est le coup. Je ne suis pas votre ami. J'ai indiqué les gens qui portent. Oui. Non, ils vont payer avant. J'ai mon PayPal, non. Tout le monde va payer par PayPal. Je ne peux pas payer. Tu te souviens là? Et il y a 2 ans, j'avais fait ça. Les gens ont commandé, les Missunga ont commandé. Maman, ils ne sont pas venus. Merde. J'ai pleuré ici. C'est comme ça qu'une femme est venue prendre tout ça et partir avec. Oui, il y a les gens qui commandent. Je sais qu'il y aura les gens qui vont commander et qui ne vont pas respecter. Ils vont se moquer de moi, je sais. Donc, moi, j'ai mon PayPal. Tu envoies ton argent. Je peux pas, oui, je peux pas. Eh oui, moi je suis été victime, vous connaissez mes histoires à Facebook ici. Qui commande bien la nourriture? Oh, je viens avec mon mari, mes 2 enfants. Tu me fais du poulet pour les enfants, avec du ketchup. Ouais, je fais tout. Après, ils ne viennent pas. Je sais que je vais avoir ça. Je sais qu'il y a plein, il y a beaucoup de gens qui vont passer les commandes et qui ne viendront pas. Je sais. Donc, moi, j'ai mon PayPal. Je vous dois seulement mon numéro de PayPal. Je vais vous envoyer l'argent. J'attends. La boisson, on va gérer ça ici. Il y a des jus, il y a des champagnes, il y a plein de choses. Donc, voilà. I see you when you get there. C'est vraiment fatal. C'est marrant, je ne vois plus presque rien. Bon, je suis fatigué. Moi aussi, je suis un peu fatigué parce que... Si vous savez... Donc, on va se quitter. Il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui. Et on a arrêté un Gossao. Et c'est le mariage. En tout cas, un Gossao, il a fini avec toi. Alors, mes amis à moi seront là. Ici, même si on se sert, ça me fait plaisir.
Non, là, c'est dur, je vois avec moi, je le couler aussi. Battery medium. Connected to Galaxy IQ Core. Avec Kayak, vous pouvez trouver une voiture pour partir à l'aventure tout en rassurant votre papa. Réservez une voiture qui plaira à tout le monde avec Kayak. Bon, on va se couper là.
savez très bien qu'un homme, la femme là, ma pépé, c'est pas une femme. Assir Minga. Une bandite. Ça a plus fait. Elle a déjà fait son toqué pour acceptant, c'est tout. Pardon, Facebook. Bien les fait. Gens ont cotisé ici. Le planning de ça. Le planning de. Le toqué pour. Pardon. Qui village autour de Yaoundé. Ouais, bon ça. On va vivre demain. Pasteur Amoué devant toi. Bon, merci beaucoup à tous. C'est pas combien vous êtes. Là, je ne serai pas en direct aujourd'hui. Je me couche, que je me lève très tôt, que je fasse certaines choses. En plus, j'ai un anniversaire, donc. Voilà. Ah, en tout cas. Venez seulement samedi, dimanche, on va voir ce qu'on va faire ici. En plus, là, c'est tout la même individu. Je vais suivre le pasteur de Koumamou. Bonne nuit. On va dormir un peu. Parce que je suis très stressé. Que j'ai peur que ça rate. Que mon événement rate et tout ça, c'est. En tout cas, on croise les doigts. Mon grand est en train de saboter par qui? Saboter par qui? Ici, même si il y a seulement deux personnes, c'est beaucoup. On a dit que je suis là, moi j'arrange ma cuisine. Et ma cuisine n'est pas encore prête. Oui, elle n'est pas prête. Elle boycotte mon gars, je boycotte quoi. Elle va rester là-bas au Cameroun. Dis-le que son mariage, pardon, je n'ai pas envie de parler d'elle. C'est une pauvre fille. Toquer porte pauvre, je ne suis pas de sa qualité. Qu'elle peut dire quoi? Elle a d'abord qui? Elle peut dire quoi à qui que les gens ne viennent pas? Elle est fâchée parce que j'ai mis la vidéo là où je la tabasse sur le propre. Oui. C'est tout, c'est pour ça qu'elle est fâchée. C'est comme ça. Mais alors, je n'ai pas mis son dos au sol. En gros, ça. Alors, si après tu m'as retourné parce que tu as eu la. Même quand tu tiens la perruque, c'est la perruque que. On n'a pas arraché ça dans ma tête. Non? C'est la perruque que mon gars avait, que j'ai donné mes choses. Nadège m'a appelé parce que je prends cette perruque et tu l'as dit, viens prendre, elle fait comme ça, viens prendre. Je me suis battu comme ça, elle était mise au sol. Oui, Nadège m'avait honte, elle n'a même pas bien filmé. L'histoire me dira que tu ne diras plus jamais à une femme que personne ne peut mettre mon dos au sol. C'est la femme qui t'a mis ton dos au sol. Ouais, donc tu vas la fermer à tout jamais. Tu comprends l'angoule là? Ok, là, elle dit que. Quand tu n'es toujours à me prouver que non, vous allez voir. Quelqu'un va souffrir dans mes biens un jour. Le jour, j'aurai la rage. Souffrir. Si elle fait un poste pour me soutenir, c'est bien. Ça, je vais aller voir si elle a fait un poste. Si elle fait un poste pour me soutenir, c'est bien. C'est quoi? Est-ce que c'est ça, c'est un petit truc. Les gens viennent, ils mangent, ils partent, c'est tout. Quand elle a saboté, est-ce que je lui ai demandé de me soutenir? Pourquoi vous venez de me dire des choses qui sont négatives à l'essai?
Moi, je suis en train de vouloir dormir après. Maintenant, vous voulez maintenant que je commence les problèmes. Je ne vais pas demander à quelqu'un hein, pour me soutenir. Je m'en fous d'elle. Elle me soutient, elle me boycotte. Moi, tout à l'heure, là, j'ai mis sa photo dessus dans mon mur. Elle peut boycotter qui? On a dit que c'est le supermarché. J'aime les gens à moi qui vont venir. Je n'ai pas besoin. Si ce n'est que moi, ce qu'on va prendre son passeport, elle reste un peu là-bas même à Kondangi. Même pendant un an. C'est tout. Je n'ai pas demandé quand même ma photo là-bas. Je ne suis pas son ami. Je m'en fous. Oh là, je n'aime pas les injures dans mes pages. Hein. Bah, c'est bien, c'est la fin pour me soutenir. Je la remercie, je vais aller voir. Et je vais commenter là-bas que merci beaucoup, c'est tout. Et si je vois que elle m'a pas soutenu, de toute façon, moi je m'en fous. J'ai déjà fait mes choses et puis bah, je suis en chantier. Donc. Je veux faire un petit truc. Est-ce qu'il veut me soutenir, me soutient? Est-ce qu'il ne veut pas me soutenir pas? Mais oui, merci. C'est là, fait un poste pour me soutenir. Je vais la remercier. Que merci beaucoup, professeur. Et c'est tout. En dehors de ça, je m'en fous. Les gens qui vont venir faire ce qu'ils veulent et tout. Donc voilà. Mais c'est comme ça qu'on fait. Il faut soutenir les gens. Si elle m'a soutenu, c'est une bonne chose. Je veux la remercier. Que merci. Je mérite quand même qu'elle me soutienne avec tous les injures là. Hein, c'est elle chancelée qu'on peut soit. Je vais aller voir tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je vais aller voir. Elle a écrit Tribalis. Oui, si elle écrit Tribalis, c'est du boycott. C'est beaucoup de Bamiléguins ne viennent pas. Donc voilà. Je ne suis pas une tribaliste. Si elle a écrit la croix sur la photo. Bah écoutez, laissez-moi aller voir d'abord. Oh. Je prends mon temps, vous savez. Je vais aller voir et puis je vais réagir. C'est tout. Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Ah, elle a dénoncé le poste d'un gangou. Maman. Parce que c'est parce que demain je suis pris. Sinon, demain vous allez me voir devant un gangou. Demain je dois faire 400 misouga. 400 misouga. Ouais. Pour les poissons brisés. Après, je vais acheter où j'achète le héros. Je fais le héros. Je vais le faire dimanche. Dimanche et tout. Non, je vais le faire dans la nuit. Parce que le héros est bien content, c'est le héros qui a dormi. Ouh, le goût de ça. En tout cas, les gens qui veulent venir, viennent. Ceux qui ne veulent pas venir, ne viennent pas. Pardon, j'en ai marre de tous les tribalistes dans les réseaux sociaux. Ceux qui veulent me boycotter, on boycotte quoi? Quel avoir quoi ici? Pardon, je suis fatigué. Il y a d'abord quoi? Je ne soutiens pas les gens. Moi, je ne soutiens pas les gens. Hein. Pourtant, je soutiens beaucoup de personnes. Hein. Ne nous chamaillons pas, mais Waros. Tout à l'heure, moi-même, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, voilà. Je vais aller voir ce qui se passe. Et Mamie Annie Mariam, c'est comment? Merci. C'est gentil. Je vais aller voir. Je
J'ai des pages, non. Dès que je vois des pages, je mets dans ma page. Que je regardais à l'ongle, ça. Elle tente seulement. Elle va d'ailleurs. Elle a dit, c'est ton nom, frère. Bah oui, bah, c'est une bonne chose. S'il faut. Oui, moi, je soutiens les gens. Moralement, énergiquement, même avec l'argent, je donne beaucoup d'argent aux gens. Je touche beaucoup. Quand une personne a faim, je m'en vais à la Croix-Rouge, je prends la nourriture. Oui. Les couches des bébés et tout ça, parce qu'on me donne tout. Oui. Les cadeaux, chèques cadeaux, les chèques cadeaux là, je donne. Mais... Merci beaucoup, ma soeur. Ma soeur, pour tout bien. Vous savez, je suis trop stressé. Les gens qui veulent venir me soutenir, venez. Ceux qui ne veulent pas, ça ne sert à rien de me saboter. Vu qu'il y aura toujours du monde. J'ai mon petit monde à moi. Oui, j'ai mon petit monde à moi. Ceux qui veulent venir, viennent. Ceux qui ne veulent pas, c'est pas grave. Je t'ai bloqué où? Ça dépend ce que tu as fait pour que je te bloque. Si je m'avais seulement là, je mets seulement dans ma page. Je ne veux pas ça. C'est elle est chancelière. Hein? Oui, mais je suis avec. Okay. N'est-ce pas, je vois ces choses. Moi-même, j'ai partagé son mariage aussi, non? Dans ma page. Non? Bon. This is end. Je dois me reposer parce que demain. C'est une grande journée pour moi. Stress. Souhaitez-moi bonne chance. À demain. Merci. Bonne nuit à vous. Merci.